Comme vous savez, ça y est, je vous avais promis des vidéos sur Marvel Studios en 2015. Eh ben ça y est, je l'ai fait. J'ai galéré à les faire. Donc on se retrouve juste après ce petit live. Bye bye. Hey les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Eh oui, ça y est les gens, je me lance à faire des vidéos. Comme c'était prévu, donc c'est ma première vidéo, donc ça sera surtout une vidéo débutant. Et du coup, je tiens à vous dire que ça me fait super plaisir de faire ces vidéos. Donc cette vidéo sera publiée sur YouTube, sur Facebook, donc ça sera ma première vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, liker, tout ce qu'il faut, car d'autres vidéos viendront avec le temps. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur Ponzor. Donc, c'est une map tchèque, à ce que je crois. Du coup, qui sera pas en lien de description, car c'est une map que j'ai modifiée moi-même. Donc, je remercie à tous les modeurs et tout qui ont fait cette map, car cette map est magnifique. Cette map vient de FS 2013, donc du coup elle a été reconvertie. Donc on attend que ça charge. La map en elle-même. Alors voilà, on se retrouve sur cette map, sur Ponzor. Donc les amis, ça y est, voilà. Donc cette map est vraiment check, hein. Franchement, vous pouvez la voir, hein. Les échafaudages et tout, c'est super bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc du coup, on se retrouve sur cette map pour une petite présentation et pour ma première vidéo surtout. Donc on va prendre le DOTS, ouais. On va prendre le DOTS et on va faire un petit tour de map. On va faire un petit tour de map, hein, tranquillous. Voilà. Je vais vous présenter un peu la map quand même. Vous allez voir que cette map est super belle, du moins super belle. Hein. Donc du coup, voilà, ça fait quelques temps que je joue sur cette map, car elle a beaucoup de beauté, on va dire ça comme ça, hein. Et alors voilà, cette map est constituée de bois, de forêt, de bâtiments très jolis d'ailleurs, hein. Donc du coup ça fait un petit moment que je joue sur cette map et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et un live sur Twitch. D'ailleurs j'en ai fait un en présentation. On va ouvrir les vitres parce qu'il fait chaud, hein. Voilà. Alors, on entend le bruit du tracteur, mais c'est pas bien grave. Je vous entends. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et un live sur Twitch. C'est vrai que j'ai mis du temps à faire ces vidéos, car j'ai commencé par les tutos, j'ai commencé par les intros. Donc du coup ça m'a mis beaucoup de temps. Ça m'a mis beaucoup de temps avant de réussir à faire cette première vidéo
qui m'a fait galérer pendant un bon bout de temps, hein. Franchement, je vous l'avoue, les amis. Donc, du coup, voilà, hein. On a attaqué la maison et tout, on a tout fini. Et ouais, voilà. Bon, ben, franchement, je remercie des gens qui m'ont aidé à me lancer, à faire des vidéos. Ça n'a pas été facile pour moi, car au début, je voulais pas trop, parce que je me suis dit, ah, ça va me faire bugger l'ordi, ça va me faire planter, je vais pas avoir assez de mémoire, et tout le baratin qui va avec. Sauf que j'ai réussi. Ah, des petites vaches. Eh oui, mes vaches, je les ai mis là. On leur fait un petit bonjour. Coucou Marguerite. Oui, comme je vous disais, on va éteindre le tracteur, il est un peu chiant. On écoute le bruit des vaches. Comme je vous disais, j'ai eu peur beaucoup de pas d'appréciation, mais de dysfonctionnement au niveau de l'ordinateur. Et du coup, vous savez quoi, on va faire un truc, parce que... Et du coup, je me suis dit, pourquoi j'essaierai pas d'autres logiciels, Et du coup, je ne dirai pas le nom du logiciel, car le logiciel est assez complexe en lui-même. Hein, je suis chez NVIDIA, hein, sur le jeu de force. Donc du coup, pour ceux qui ont des PC portables, franchement, je ne le vous conseille pas. À part pour ceux qui ont un jeu de force. Un NVIDIA GeForce GTX, une carte GTX, car si vous n'avez pas la carte GTX, franchement, vous allez ramer. Vous allez ramer et en plus, ça va être horrible, vous n'allez pas pouvoir faire de bonnes vidéos. Et du coup, voilà. Donc les amis, voilà, je vais vous laisser sur cette fin de petite vidéo présentation de ferme et puis ce début de vidéo en tant que premier youtubeur, hein, franchement je suis un débutant, j'ai eu quelques problèmes avec YouTube d'ailleurs pour des présentations de vidéos car j'avais pas présenté la musique qui allait avec et tout. Bref, sur ce je vous dis ben, bonne journée à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. Commentez, likez, n'hésitez pas. Bye bye les gens.